La première règle des vampires, c'est que tes crocs doivent toujours rester impeccables. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? J'y crois pas, une sirène ? Oui, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai aussi besoin de quelque chose. Du sang. Pas de soucis. Vas-y, je suis prête. Air, tu sors tout droit des toilettes, c'est pas hygiénique. Heureusement que j'ai du désinfectant sur moi. Le dîner est servi. Oh, t'es délicieuse. Waouh, j'ai des crocs maintenant. Cool. Très bien, Kim. Maintenant, suis-moi. Rendez-vous dans ma salle de bain. Ça marche. Je vais y aller par le toboggan aquatique. C'est parti. C'est un peu humide, mais au moins c'est rapide. Bon, c'est sûrement mon arrêt. Bienvenue dans ta nouvelle chambre, Kim. Fais comme chez toi. T'aurais vraiment besoin d'un bon bain. Ça fait du bien, hein? Oh ouais! Eh ben, ça va être encore plus sympa maintenant. On va ajouter de la mousse, des paillettes et... Waouh, Skyler, c'est magique! C'est pas de la magie, c'est juste des cosmétiques. Maintenant, on va bien te nettoyer. T'as vu ce shampoing? C'est la marque Blood Volume. T'en as déjà entendu parler? On va avoir besoin de beaucoup de mousse. Waouh, se faire une beauté, c'est vraiment agréable. Attends, mais d'où elle vient, cette odeur horrible? Ah, tu veux dire ma queue de poisson? Ouais, elle est un peu sale, c'est vrai. Alors là, ça va pas le faire du tout. Mais t'as de la chance, je sais exactement quoi faire. T'es prête? Alors on va se mettre au boulot. On va avoir besoin d'une brosse dure. Toute cette saleté n'a aucune chance face à elle. Waouh, regarde ma queue! Elle est enfin toute propre! Allez, l'ami, c'est l'heure de sortir du bain! Car on a du pain sur la planche. Voilà, Kim, ici c'est ma chambre. C'est accueillant, non? Oh, j'avais oublié! Dis bonjour à Annie. Skyler! What? T'as entraîné une sirène dans notre maison? Calme-toi, Annie! C'est Kim! C'est aussi un vampire! Eh bien, ravie de te rencontrer, Kim! Tu sais, ces boutons te mettent vraiment pas en valeur. Mais j'ai une idée. J'ai des patchs anti-boutons. Ça marche hyper bien. Suffit juste de patienter maintenant. Et tada! Ta peau est maintenant douce comme de la soie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une perle, Annie! Comment c'est possible? Prends-la, Skyler! Waouh! Trop jolie! On va même pouvoir s'en servir. On va décorer une épingle à cheveux avec. C'est modeste et élégant à la fois. Parfait pour toi, Kim. Alors, de quoi j'ai l'air, les filles? Pas top top, bestie. On peut pas te laisser comme ça, Kim. On va devoir t'épiler. La recette est très simple. Suffit de chauffer de la cire, de bien la mélanger et... T'inquiète pas, Kim, hein? Annie et moi, on fait ça depuis des millénaires. Alors, t'es prête? Aouh! T'as survécu, bestie. Mais on n'a pas encore fini. Il est temps de sortir la pince à épiler. Allez, bouge pas! C'est pas du gâteau. Ah! Pas tout de suite, Kim. C'est bon, vas-y. Tchoum! Pas mal, ça peut toujours être utile. Oh, Kim! Les vampires et les moustaches, ça ne fait pas bon ménage, tu sais. Alors dis adieu à tes poils. Mais qu'est-ce qui se passe, Skyler? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh ouais! Que la fête commence! Oh, on est vraiment obligés, les filles! Ma moustache n'est pas un jouet! Oh allez, sois pas rabat-joie, Kim! Oups, désolée! Ouais, quelle épilation rock'n'roll! Oups! Eh, ça a marché en plus! J'adore le résultat! Oh les filles, je suis vraiment de plus en plus belle! Ouais, mais le chemin est encore long! On va déjà te nettoyer les oreilles! Vas-y, bestie! Ouh! Alors, c'est bon? Je sais pas, Kim. T'as un sérieux bouchon là-dedans. Oh oh! À l'aide! J'arrive, bestie, tiens bon! Waouh, ça va beaucoup mieux! Attendez une seconde, les filles. Y a autre chose là-dedans? Une canne à pêche? Sérieusement? Bon, il est temps de sortir l'artillerie lourde. Oh, mais tu t'es jamais nettoyé les oreilles avant ou quoi, bestie? Bon, c'est pas grave. On va régler ça tout de suite. Et maintenant qu'on a fini, tu vas pouvoir mettre de jolies boucles d'oreilles. Oh là là, j'ai tellement soif! Je pourrais boire un humain entier. Hé, fais moins de bruit! La nourriture devrait pas être si bavarde.
Oh, regarde un peu ça, Skyler. Ça sent tellement bon. Délicieux. Y a rien de meilleur qu'un poisson frais pour le petit-déj. Pas vrai, les filles? Oh là là, mais que quelqu'un ouvre une fenêtre! C'est vraiment horrible! Va falloir reporter notre repas. T'as raison, bestie! Que quelqu'un m'aide! Garde la bouche grande ouverte, Kim. Oh, alors ça, je m'y attendais pas. Ta langue est tellement longue! Et si sale! Je m'en occupe, Annie. On va avoir besoin de beaucoup de dentifrice. Allez, on va vite se débarrasser de cette saleté. Et voilà, c'est impec. Burk! Si seulement je pouvais oublier ce que je viens de voir. Oh, merci beaucoup les amis. On n'a pas encore fini, Kim. Maintenant, on va brosser tes crocs. Un coup de jet dentaire te fera pas de mal. C'est beaucoup mieux! Elles sont émail diamant. Mais Kim, ils ont quoi tes ongles? Mais c'est une catastrophe cosmétique! Bon, c'est pas grave. Un coup de ciseau fera l'affaire. Quoi? Comment c'est possible? J'ai une meilleure idée, vous deux. Écartez-vous, tout le monde! Wouhou! Alors ça, je m'y attendais pas. On va pas se débarrasser de mes griffes si facilement, vous savez. C'est ce qu'on va voir, chérie. Mais on ne va rien faire d'y réfléchir, d'accord, Annie? Tu t'en sortiras pas comme ça, bestie. On a préparé un bain pour les mains spécial pour toi. T'inquiète pas, les piranhas mordent pas si fort que ça. Waouh, ça a trop bien marché! On n'a pas encore fini, Kim. On va ajouter une touche de couleur sur tes ongles. Du vert? Ma couleur préférée. Et si on ajoutait de la déco marine? C'est une super idée, Annie. C'est parfait! Il reste plus qu'à s'occuper de tes cheveux, maintenant. Honnêtement, ce serait plus simple de tout raser. Mais non! Avec une brosse, les filles, ça devrait marcher. What? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Un coffre? Je crois que j'ai trouvé un trésor, les amis. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! C'est un véritable trésor cosmétique. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Tu vas vite le découvrir, Kim. On va complètement changer ton look. Je crois que du violet, ça t'irait trop bien. Un peu de patience, bestie. Okay. C'est bon, t'es prête? T'es canon comme ça. De mon côté, je vais te faire des boucles. C'est plutôt facile en plus. Et on doit pas oublier les strass. C'est hyper tendance en ce moment. Oh, je ressemble aux mannequins sur les couvertures des magazines. Je crois que ton relooking est enfin terminé. Tout va bien, Kim? Hein, ouais. Bon, écoute. On ne laissera aucun coquillage s'installer sur toi, ok? On va pas servir de ce marteau pour l'instant, Skyler. Fais-nous confiance, Kim. C'est de la haute technologie. Vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Bien sûr que non. Regarde-toi, Kim. Maintenant, on va passer au maquillage. D'abord, on va travailler ton teint. Jusqu'ici, c'est parfait. On continue. Un joli contouring, c'est important aussi. Prends-en de la graine. Maintenant, on ajoute un peu de highlighter. Et du blush aussi. Oh, je sais quoi faire ensuite, Annie. J'adore les couleurs vives sur les yeux. Bon travail, Kim, t'apprends vite. Mais on a failli oublier le rouge à lèvres. C'est beaucoup mieux. Mais on ne brille jamais trop, pas vrai? Du coup, on va sortir les paillettes. Alors, les filles, de quoi j'ai l'air? T'es canon, Kim. Absolument magnifique. Allez les filles, maintenant on va aller s'éclater sur la piste de danse. Mets le volume à fond! On va être les reines du dance floor. Allez vous amuser sans moi les filles. C'est dommage que je puisse pas faire comme vous, moi. On peut pas danser sans jambes, vous savez? Dans ce cas, on va transformer ta queue de poisson en jambes, Kim. J'ai une vieille recette de potion juste ici. Bien, voyons voir. Ah ah! D'abord de la morve de sirène. Et ben voilà, viens voir maman! Maintenant, on ajoute des plumes de phénix. Et des yeux de cyclope. Bois ce smoothie spécialement conçu pour toi, Kim. Oh, mais des sabots, mais c'est pas ce que je voulais. Aidez-moi! What? Oups. Oh, je crois que je me suis trompée. Ah mais oui, c'est vrai, j'oubliais. On a besoin de poils de moustache de sirène aussi. Voilà, Kim. Pas de surprise cette fois-ci.
Hey, mais c'est pas mal! Oh là là, j'arrive pas à le croire! J'ai des jambes maintenant! Ah! Ça va, bestie? Je sais pas marcher avec ça! Rends-moi ma queue, Skyler! D'accord, Kim! Mais je vais te mettre de belles écailles brillantes! Wow! Oh, j'adore! Tiens, ta nouvelle tenue, Kim! Vas-y, essaie! Wow! Trop stylé, je suis fan! Et oublie pas ton nouveau collier! Maintenant, je suis enfin prête à conquérir l'océan tout entier! Bon, bah, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir maintenant. Bye bye, Kim! Nos toilettes seront toujours ouvertes pour toi si tu veux nous rendre visite. Oh, Annie, c'est tellement émouvant! Waouh! C'est à ça que ressemble le fait d'être populaire? Bonjour à tous! Ouch! Génial, on dirait que tous les regards sont à nouveau tournés vers cette jeune fille riche qui est Kim. On ne filme pas! Enlevez ces caméras d'ici! Oh, tu as gâché un cliché si parfait! Je peux avoir ton autographe, s'il te plaît? Hiya! On s'approche pas d'elle! Oh, j'en ai tellement marre de ces fans! Pauvre ma belle, aujourd'hui n'est tout simplement pas son jour! Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Votre attention, s'il vous plaît! Veuillez vous préparer à présenter vos projets scientifiques! J'espère que vous avez fait vos devoirs. Allez, ma belle, montre-nous ce que tu as fait. J'ai construit ce casque en réalité virtuelle, vision pauvre. Pourquoi je suis pas surprise? Quel tas de ferraille! Eh bien, testons cette invention en carton. Regarde, j'ai trouvé un goûter. Un peu de monnaie, s'il vous plaît. Wow, je suis entourée de gens pauvres. Phew, quel cauchemar! Que s'est-il passé, Madame Penny? Qu'avez-vous vu? Éloigne cette chose de moi! Kim, c'est à toi de jouer! Mais plus de surprises, s'il te plaît! Voici le Cash Blaster 3000! Le dernier modèle! Et qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir! Tenez ce citron pour moi! Un seul coup et... Presto! Oh, génial! Laisse-moi l'avoir une seconde! Et attention avec ça, Madame Penny! Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ne bouge pas, je vais prendre une photo! Wow! Bon sang, je suis riche! Quel spectacle! Que peut-on attendre d'autre de la fille la plus riche de l'école? Est-ce que je vois des choses ou est-ce que Madame Penny vient de devenir folle? Tant de bel argent! Si bel argent! Je suis si heureuse! On dirait que la classe est terminée pour l'instant. Oh, Jack est si beau aujourd'hui! Oh non, c'est mort! Il est à moi! On verra ça! Personne ne peut résister à mon baiser aérien ultra riche. Hé, hey Jack, attrape! Je dois l'arrêter! Toi, l'intello, va là-bas! C'est à moi que tu parles? Oh! Oh, ça fait mal! Wow, un baiser de la plus jolie fille de notre école! Qu'as-tu fait? Tu as tout gâché! Je t'aime, Kim! Où vas-tu? Oh, ma tête! Et qu'est-ce que tu fais? Eh, attrape mon baiser aérien, mon mignon! Bleh, j'en veux pas! Le baiser aérien bon marché de ma belle est loin d'être aussi fort! Au secours, je crois que c'est contagieux! Rentre dans le bocal à risque! Eh, t'es vraiment en train de me briser le cœur! Waouh, c'est mauvais! La chambre d'un étudiant riche ne peut être ouverte qu'avec un scanner à main! Facile comme bonjour! La belle affaire, peu importe! Pendant ce temps, la chambre d'un élève fauché peut à peine être ouverte. Mais ce n'est pas un problème pour ma belle. Heureusement que j'ai ce biscuit avec moi. C'est bon! Un, deux, et j'ai ma clé! Ça ne m'a jamais laissé tomber auparavant. Oh non, quel terrible gâchis! Oui, je peux pas me détendre dans un tel endroit! Eh bien, il est temps de tout nettoyer. Kim est riche et pointilleuse. Elle déteste le désordre. Tellement de poussière! Il est temps d'appeler les nettoyeurs. Il suffit d'appuyer sur un bouton et sa chambre sera propre en un rien de temps. Et pendant qu'ils font le ménage, elle peut regarder sa chaîne préférée, Troum Troum. Mais la pauvre ma belle passe un moment très difficile. Tu te moques de moi? Ça fait des heures que je suis dessus et j'ai pas fait une seule entaille! Je n'aime plus ma manucure.
À votre service, mademoiselle Kim. Oups, je peux pas laisser quelqu'un voir mes ongles. Ces gants vont t'aider. Et je vais les scotcher, juste pour être sûre. Assez, choisis une tenue pour moi. Tout de suite. Il faut que ce soit élégant et de bon goût. Cette robe? Non, trop légère. Et celle-ci est trop brillante. Enfin, celle-là est juste parfaite. Et oh, je devrais vraiment changer de vêtements. Mais j'ai pas grand-chose pour me changer. C'est une bonne chose que ma belle adore coudre. Juste quelques points de suture et sa chemise est comme neuve. Kim est toute fraîche et prête à commencer sa journée. Pendant ce temps, ma belle a du mal à rester éveillée. Enfin, c'est l'heure du déjeuner. Comment puis-je manger ces petites choses? Ah, je sais. Une loupe et une pince à épiler. C'est tout ce dont on a besoin pour un petit goûter. Pendant que notre pauvre étudiante mange son minuscule repas, notre fille riche s'amuse comme une folle. Vos sushis, mademoiselle Kim. Ma belle a une idée géniale. Allons à la pêche à la pizza. Waouh, je suis géniale pour ça. C'est bizarre. Notre pauvre fille affamée ne peut pas s'en empêcher. Peu importe, personne ne remarquera les quelques tranches manquantes. Oh oh, Houston, nous avons un problème. Il est temps de donner une leçon à ce voleur. C'est la dernière, je le jure. Oh, c'est lourd ça. Oh, oups. Tu vas avoir de gros problèmes, mademoiselle. Oups, c'était pas moi. What? Tu ne peux pas t'enfuir quand tu es aussi pleine. Tu ne peux pas manquer ton artiste préféré en concert. Pour rien au monde. Kim est riche, elle a droit au traitement VIP. Okay. Un instant, mademoiselle. Sortez les enfants, c'est une fête privée. Accès VIP uniquement. Mais ma belle a aussi économisé pour avoir un billet. Vous savez pas lire? Accès VIP uniquement. Eh, c'est pas Hailey Bieber là-bas? Où ça? Bien essayé, tu ne passeras pas devant moi aussi facilement. Mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter l'incroyable Jessica Green. J'aimerais jouer ma chanson d'amour préférée. Ennuyeux, joue quelque chose d'autre. My love. Oui, bien sûr, tout ce que tu veux, tu as payé les billets. Que dirais-tu d'un peu de country rock? Qui est là? Oh, regarde ça. Oh, wow. Viens par là. Ça marche à tous les coups. Yes. Pas si vite, mademoiselle. Mince, encore arrêté. Une fille riche comme Kim est difficile à satisfaire. Je pleure en épluchant des oignons. Tu as aimé? Alors que dis-tu de ça? Pas d'astuce, de la pure et vraie magie. Bouh! On s'ennuie! Agent Seven, et l'air vif. C'est l'heure de ta pause déjeuner. Je vais prendre le relais pour toi, mon pote. Merci, mec, je suis affamé. Parfait, j'y suis. J'ai même gagné quelques snacks. Tu es incroyable, Jess. Je veux que tu joues de la harpe. Réveillez-vous, Madame Penny, la cloche vient de sonner. On est pile à l'heure pour la leçon de Géo. C'est du véritable sable égyptien. Comme c'est intéressant. Puis-je jeter un coup d'œil? Waouh, les anciens pharaons ont touché ce sable. Je pense qu'on devrait faire quelques tests. Je le savais! Ce sable est de la litière pour chat! Oups, prise en flagrant délit. Réfléchis à ton comportement, ma belle. Kim, qu'est-ce que tu as? Des billets pour un tour du monde. Waouh, je veux visiter les Maldives! Et vous êtes invitée, Madame Penny? J'en crois pas mes yeux! Et alors, c'est de la litière pour chat! Oh, ne sois pas triste, toi aussi tu es invitée! On va vivre une aventure de luxe! Oh waouh, c'est la tour Eiffel! Allons-y les enfants, c'est l'heure du selfie avec Big Ben! Waouh, il fait plutôt chaud ici! Le voyage est fini! C'était incroyable!
L'élève ultra riche reçoit un A+. Ma belle s'en sort bien aussi. Elle a 3 nouveaux souvenirs. J'adore voyager. Les élections du président de l'école battent leur plein. Votez pour ma belle! Quelqu'un, n'importe qui! Oh, une pomme. Ça a l'air délicieux. Berk, dégoûtant! Regardez ça, tout le monde, c'est incroyable! C'est quoi cette agitation? O-M-G! Laisse-moi passer, pousse-toi du chemin! Je veux regarder! Je dois voir des choses, non? Le salon spa privé d'un riche étudiant. Absolument incroyable! Eh bien, principal Spencer, avons-nous un accord? Bien sûr, félicitations, Miss Présidente des élèves de l'école Troom! Non! C'est pas juste! Ma belle, est-ce que ça va? Bonjour Kim, lève-toi et brille! Aujourd'hui, c'est ton anniversaire! Super! Commençons à nous préparer avec une petite rénovation! Une fête de luxe a besoin de décorations de luxe! Il est temps de choisir une robe! La birthday girl est toute prête! Je suis si heureuse de vous voir! Faisons la fête! Aujourd'hui est aussi un grand jour pour notre pauvre et fauchée Mabel. Célébrer son anniversaire toute seule? Rien d'inhabituel. Même le gâteau d'anniversaire ne peut pas lui remonter le moral. Oh, on dirait que ses lumières s'éteignent aussi. Attends un moment, c'était quoi ce bruit? Joyeux anniversaire, cher Kim! Est-ce que j'entends des choses ou... Ce son vient de la pièce voisine? C'est la meilleure fête à laquelle j'ai assisté de toute l'année! Mince. La vie peut être vraiment injuste parfois. Wow! Attends un instant, qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous en train d'être inondés? Allons voir. Où vas-tu, Kim? Voyons où ça nous mène. Ma belle? Tu nous as littéralement pleuré une rivière? Qu'est-ce qui va pas? Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Suis-moi. Les gars, les filles, dites bonjour à mon amie Mabel. Nous fêtons un double anniversaire aujourd'hui. N'oublie pas de faire un vœu. Yay! Oh, j'ai presque oublié ton cadeau. Tiens, Kim. Merci, bestie. Et maintenant, souris pour un selfie d'anniversaire. L'école, ça commence toujours pareil. Notre petite intello de Kim est trop belle avec sa moustache. Préparez-vous, les filles. C'est le moment d'accueillir notre élève préféré. Regardez-la un peu. T'en as pas marre qu'on t'embête, Kim? Reste là un petit moment. Arrêtez de me filmer, vous êtes trop méchants. N'importe quoi, hein. On y va, de toute façon. La jolie Kylie passe aussi une sale journée. Un F à son test? Ses parents vont pas être contents. Elle peut dire adieu à son argent de poche. Mais Kylie, c'est rien, ça. Laisse-moi arranger ça. Tiens. Et maintenant, va-t'en, je suis trop triste. Waouh, Kim, t'es un génie. Je vais t'aider à descendre de là. Et je vais te relooker. Fais-moi confiance. Bienvenue, bestie. Fais comme chez toi. Waouh, j'en crois pas mes yeux. T'as gagné tellement de prix. Hé, où t'es passé? Ta marraine la fée est là. On va te faire toute belle maintenant. C'est plus compliqué que prévu. Mais d'autres surprises attendent encore Kylie. Wow, elle a du pain sur la planche. C'est un véritable dilemme esthétique. Ok, Kim, t'es prête? Ça fera pas mal du tout, je te le jure. Oh, allez! Raté! Va falloir procéder autrement. Cet outil ne risque pas de nous décevoir. Non, Kylie, fais pas ça! Fais pas la poule mouillée! Tu vois, c'est pas si terrible que ça. Maintenant, tes sourcils sont parfaits. Et ta moustache a disparu. Merci, bestie. Je vais grignoter un peu, ok? Du chocolat et du soda? C'est hyper mauvais pour la santé. Oh, il est arrivé quoi à tes dents? Tu veux du chocolat aussi, Kylie? Fini les sucreries. On a plus important à faire. On va s'occuper de tes dents.
Ah, voilà qui est mieux. Dans peu de temps, Kim aura un sourire parfait. Oh, alors là, ça va trop loin, ma belle. Faut que tu te brosses tes dents tous les jours. Hé, t'énerve pas comme ça. Je vais juste finir ça, ok? On n'a pas encore fini, Kim. Concentre-toi un peu. Ouvre la bouche et je ne veux rien entendre. Avec ces nouveaux gadgets, plus besoin de souffrir pour être belle. Waouh, quel sourire éclatant! Incroyable! On a réussi, Kim. Une dernière petite chose. Oh, Kylie, je veux voir! C'est un peu trop de beauté pour moi. On va se débarrasser de ce truc. Et maintenant, il est temps de s'occuper des boutons. Allez, allez! Wouah, quelle giclée! Ça va pas le faire, bestie. T'as sali tout mon miroir. T'inquiète, Kylie. Je suis hyper douée pour éclater les boutons. Pas question, Kim. Éclate plutôt ces boutons virtuels. Et moi, je m'occupe des vrais avec un aspirateur à points noirs. Grâce au miracle de la science, plus besoin de recettes de grand-mère. Terminé! Maintenant, on va utiliser un masque en stick pour se débarrasser des points noirs. Personne n'aime ça. Pouh, c'était un sacré défi. Mais maintenant, on reconnaît à peine Kim. Hey, bestie, t'es toujours avec moi? Je suis occupée, là. Oh, mais non, mais c'est quoi ces horribles cernes? Bon, je dois garder mon calme. Donne-moi ça une seconde, Kimmy. Tu vas mettre ces patchs rafraîchissants. Bouge pas. Oh, on n'a pas encore fini. Et c'est ce masque aussi. Oh, j'adore Kylie. Je suis un petit minou. Miaou, miaou. Maintenant, on va faire une petite pause. Après avoir travaillé si dur, Kylie a besoin de quelques minutes de repos. Comment tu vas, Bobo? Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh oh, alors ça, ça va pas être possible, Kim. On va utiliser le rasoir. Même si ça n'aide pas vraiment. Ses poils sont beaucoup trop épais. Bouge pas, Kim. Avec ça, ça devrait le faire. Pitié, fais pas ça, Kylie. Mais t'inquiète, je rigole, bestie. On va t'épiler à la cire. Ça permettra de venir à bout des poils, même les plus tenaces. Ça a l'air bon. C'est pas de la fondue? Regarde. On va mettre de la cire sur toutes ces touffes de poils. Et maintenant, on passe à la partie marrante. Oh, et mort dans la pomme, au fait. Parfait, c'est parti. Tu vois, c'était du gâteau. Hey, Kim, ça va? Ah! Je te pardonnerai jamais. Ne refais jamais un truc pareil. Kim! Oh, génial! Un peigne, c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est l'heure de te faire une super coiffure. Sois pas fâchée! D'accord, Kylie, c'est bon. Installe-toi, ma belle. D'abord, on va se débarrasser de ces nattes. C'est tellement démodé. Et maintenant, on va démêler ce nid d'oiseau. Encore, Kim, sérieux? Bah quoi, c'est qu'un trognon de pomme. Ça suffit, Kim. Maintenant, baisse la tête. Allez! On va secouer tout ça de tes cheveux. Ah, maintenant, ses cheveux sont enfin propres. Mais cette odeur! Oh, c'est dégueu! On va utiliser un shampoing sec pour rafraîchir tout ça. Suffit d'en vaporiser sur les cheveux, puis de les brosser. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus qu'à admirer le résultat. Et n'importe quelle coiffure est encore plus belle avec des boucles. Allez, au boulot! Heureusement qu'on a ces rouleaux hyper pratiques pour les cheveux. C'était trop fastoche! Pendant qu'on attend que les boucles se fixent, on n'a qu'à s'occuper du maquillage de Kim. Fini les lunettes à partir de maintenant, Kim. Désormais, tu vas porter des lentilles. Waouh, Kylie, c'est incroyable! Et on n'a même pas encore fini. On va mettre un peu de sérum sur ta peau et masser pour le faire pénétrer.
Suffit de faire glisser cet accessoire le long de ton visage. Comme ça. Et maintenant, elle sait toute seule. T'as raison, bestie, c'est hyper facile. C'est quoi la suite du programme? On va te faire un teint uni. Vaut mieux étaler la crème avec une éponge à maquillage. Ta peau va être éblouissante, ma belle. Ça te plaît? Mais qu'est-ce que t'as fait, Kylie? Où sont passés mes sourcils? T'inquiète, on va les maquiller. Avec ces pochoirs, tout le monde peut y arriver. Suffit de quelques coups de crayon. Et tes sourcils sont dessinés. Ah, c'est mieux comme ça, Kylie. Je vais faire l'eyeliner moi-même. Je suis douée pour ça, fais-moi confiance. Alors, comment tu trouves? Chérie, t'as beaucoup à apprendre encore. Utilise un pochoir, ce sera plus simple. Avec ce gadget, même une débutante peut le faire. Parfait! On va passer à l'étape suivante, Kim. Maintenant, on va recourber tes cils. Oh, je sais comment faire! Kim! C'est pour tes cils, on a dit. 1, 2, et c'est fait! Et si on te faisait des Foxy Eyes? C'est super simple. Suffit de tirer et de coller ta peau. Tu veux essayer? Hey, t'as pris ma pompe à lèvres? Viens là, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche? Au secours, Kylie! Pas de panique! Une seconde, ça doit être là quelque part. Ah, je l'ai, tiens. Utilise ce baume. Maintenant, on va sortir la palette d'ombre à paupières. Juste quelques coups de pinceau et... Oh, ma chérie, t'es superbe! Et oublie pas le gloss. Wow. On a vraiment réussi, Kylie. Bah bien sûr, ma belle. Je t'avais dit que j'étais une pro. Maintenant, on va enlever les rouleaux. Mais cette coiffure est quand même un peu trop banale. Kylie, c'est exactement comment la pimenter. Kim, on va te faire briller de mille feux. Waouh, ça a l'air trop cool! Attends de voir ce que ça peut faire. Suffit de presser la machine et... Oh, mais c'est incroyable! Maintenant, direction le dressing. Suis-moi, Kim. Tu peux choisir ce que tu veux. Vraiment? Je veux ça! Alors, de quoi j'ai l'air? D'un sapin de Noël, ma chérie. On n'a pas besoin de ses plumes. Il faut qu'on se débarrasse de cette tenue. Oups! Qu'est-ce que je fais maintenant, Kylie? Je reviens tout de suite, ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Mais Kim a déjà trouvé la robe de ses rêves. Bon, bah tant que ça te plaît, ma chérie. Allez, à toi maintenant. T'es éblouissante, Kim. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Parfois, les astuces beauté dégénèrent un peu. Mais bon, ça arrive aux meilleurs d'entre nous, hein? Faut qu'on avance, Kim. Il te faut des chaussures, tiens. Merci, Kylie. L'or, c'est ma couleur préférée. Aouh! Comment on fait pour marcher avec des talons? Oh, y a un tremblement de terre? Je vais tomber! Laisse-moi te donner un coup de main. Tu vas t'y faire, enfin, dans quelques années, quoi. Mais pour l'instant, mets ces boucles d'oreilles. Bébé, t'es prête? Maintenant, vas-y, pars conquérir le monde. À plus tard, Kylie. Hier encore, Kim était hyper banale. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'est qui cette meuf? C'est une nouvelle? Non, je crois que c'est Kim. Salut les copains, comment ça va? Kim, je peux être le premier à te demander un autographe? Bien sûr, ça me fait plaisir. Désolé les garçons, je suis en retard pour le cours de maths. Bien joué, Kim! T'as été ma meilleure élève! Tu m'as sauvé la vie, Kylie! Mais non! C'est rien, ma queen! On devrait plutôt prendre un selfie!